Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Nous sommes le jeudi 11 mai 2023. C'est Mathieu avec Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour Justin, bonjour tout le monde. Et nous sommes là toujours discuter encore les questions. Nous allons quand même bien. Alors, quelles sont les nouvelles ce matin? Bon, en fait, il n'y a pas trop de nouvelles. Il y a seulement le procès de 40 qui est en audience publique. Le procès de? Des 40 voleurs. Les présumés 40 voleurs qui ont été arrêtés la semaine passée sont en audience publique au niveau de l'ONC ici, au centre-ville. Le tribunal est... Ah, c'est un procès public alors? Oui. Ah, c'est une audience publique. Ok, c'est tout le monde. D'accord. Alors, Georges, avec vous, nous allons écouter ce propos du gouverneur. Vous l'aviez peut-être suivi dans une interview qu'il a accordée. Il est revenu sur les 10 ans de son mandat. Déjà qu'il a passé à la tête de la province, il a dit ceci. Si par exemple Constant Ndima, qui a déclaré la guerre imposée par la M23, est venu freiner l'élan d'engagement pour la paix au Nord Kivu, des propos qui suscitent des réactions au Nord Kivu, comment vous trouvez cela? Je pense que. Bon, il a dit ce qu'il pouvait dire, mais ce n'est pas un langage que moi-même aussi je digère bien. Il dit la guerre du M23 est venue empêcher ce programme de pacification. Alors que le M23 est parmi les éléments qui écumaient la paix, donc qui dérangeaient la paix. C'est-à-dire, et le M23 et les autres groupes armés devaient faire l'objet aussi des traques. C'était ça sa mission. Et pourquoi maintenant il dit que seulement le M23 a empêché ce que la paix ne soit pas là? Donc je ne crois pas qu'il puisse dire que à cause du M23 la paix n'a pas été là. Et le M23 existait toujours d'une manière ou d'une autre, sous des groupes armés ou sous d'autres labels. Allô. Mais et le M23 et les autres éléments qui devaient déranger la paix, même les 40 voleurs sont toujours là. S'il pouvait nous dire que les 40 voleurs étaient déjà maîtrisés, peut-être les ADF étaient déjà maîtrisés, moi je dirais que peut-être. Donc le M23 est venu s'ajouter, chose qui n'a pas maintenant permis à ce que la paix soit totale. Mais jusqu'à l'heure où nous sommes, même les ADF sont toujours encore dans les oreilles des personnes. Dire que. Il a fait ce qu'il pouvait faire, c'est vrai, au moins il a appris certaines choses, mais la paix n'est pas encore retrouvée au Nord Kivu. En d'autres termes, c'est l'état de siège, c'est un échec puissant du président Tshisekedi. Ce n'est pas un échec comme tel, mais je peux dire que le bilan est tellement mitigé, c'est-à-dire que c'est partagé. Pourquoi je dis partagé? Parce que à cause de l'état de siège, nous avons découvert beaucoup d'histoires. À cause de l'état de siège, nous avons quand même su connaître des personnes qui étaient réellement des mèches avec ce qui dérangeait la paix au Nord Kivu. Avec l'état de siège, nous avons même découvert certains comptes ou certaines situations financières qui échappaient à la République. Avec l'état de siège, nous avons aussi empêché les minéraux qui quittaient les Rubaya pour le Rwanda. Et aujourd'hui, au moins, le Rwanda se trouve déjà coincé. Alors, au moins, sur ce plat-là, il y a quand même une avancée significative. Mais sur le point réellement retrouver la paix, bon, il y a encore quand même à dire, parce que à Goma, ça fait presque des semaines qu'on venait de vivre les semaines les plus invivables dans la ville de Goma, là que nous sommes avec le gouverneur. Bon, alors, si ce point-là quand même, on doit quand même s'interroger comment les voleurs, les criminels, les urbains devaient toujours déranger sous l'état de siège. Ce serait quand même une question importante à laquelle il faut une réponse aussi très précise.
précise. Mais quand vous dites que grâce à l'état de siège, il y a certaines personnes qui ont été dénichées, oui. Savoir découvert qu'ils travaillent avec certains ennemis de la paix, oui, de la République, oui. S'il faut le dire comme ça. Oui, oui, là, oui. Vous voulez faire allusion à qui? Je vais d'abord commencer. À l'arrivée de l'état de siège, nous avons su comment on a ramassé les tueurs de M. Simba Nguessan. Une grande équipe qui a été au moins maîtrisée grâce à l'état de siège. Nous avons su comment les criminels de grand renom ont été ramassés de la ville de Goma et ramenés à Kinshasa. Nous avons même su comment certaines autorités militaires qui collaboraient avec les M23 et avec les ennemis ont été ramassés et ramenés à Kinshasa. Avec l'état de siège, nous avons vu comment certains officiers qui volaient l'argent des militaires ont été quand même arrêtés jusqu'aujourd'hui aux arrêts. Avec l'état de siège, moi j'ai vu un grand général comme Yav être arrêté. Ce sont des faits quand même réels et que nous avons vécu et qui réellement qui sont au solde de la disons qui sont quand même au solde positif de l'état de siège. Et là, on doit quand même se dire la vérité et tout Congolais qui vit à Goma quand même peut dire quelque chose, peut quand même trouver un mot à dire. Mais sur le point maîtrise de la sécurité, il y a encore quelque chose qui cloche. Surtout les affaires de Beni. Nous avons vu comment les ADF tuaient même des 40 personnes en une journée. Et ça inquiétait beaucoup de gens. À Kalunguta, à Maboya, à Kabasha, et dans les retours à Kabasewa, bon, à Mamove, et partout là-bas. Bon, quand même, ça aussi, je ne vais pas dire quand même que directement la paix directement a flotté la province. Donc il y a encore. Non, il y a encore un travail à faire. D'accord, merci beaucoup. On va arriver sur l'affaire du Rwanda et du Congo. Des activistes pro-démocratie proposent au gouvernement congolais d'examiner les fondements du régime rwandais pour prendre des mesures idoines face à l'agression. Est-ce qu'il y a des mesures à prendre si ce n'est pas la guerre et effacer ses amis? Il n'y a pas autre chose que on ça. On ne fait pas et la guerre avec la bouche, c'est le major. Le président a déjà à maintes reprises dit qu'à aucun jour, il ne négociera avec les ennemis de la paix, les agresseurs. Et jusqu'à l'heure où nous sommes, il était toujours sur sa parole. Et dire que bon, quelle autre solution à part cette guerre? D'ailleurs, moi je suis en train de dire qu'au moins, avec cette décision, toute la population a été unie derrière le chef de l'État. Vous savez, plusieurs fois, les gens ne savaient même pas dire que c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais avec l'arrivée de Tshisekedi, il a la détermination de dire jamais je ne peux me mettre, mon gouvernement ne peut me mettre dans une même salle pour traiter la question de la sécurité avec les M23, les agresseurs. Et sur ce point-là, toute la population congolaise a dit que c'est ça réellement l'homme dont on avait besoin. Et voilà. Et dire qu'on peut encore chercher à vouloir, plusieurs fois le président a toujours refusé de telles formules, plusieurs fois. Même le gouvernement, je vois mon excellence Christophe Lutundula revenir sur ce point. On ne pourra jamais, jamais encore, jamais, même pas envisager. Et celui qui vient avec des paroles pareilles, il est encore en arrière. Donc il n'est pas peut-être actualisé sur la question de la paix. C'est le militant de Filimbi, il a dit, je cite, les Rwandais considèrent l'Est de la RDC comme la principale base arrière de son opposition armée, dont une partie confiée historiquement des éléments des FDLR composés principalement d'anciens militaires qui se sont exilés en grande partie en RDC à la suite du génocide à l'issue duquel les FPR avaient pris le pouvoir. En fait, Filimbi, il peut dire ce qu'il peut dire. C'est un mouvement citoyen que nous connaissons. Bon, ce n'est pas une bouche réellement
officielle sur laquelle nous pouvons quand même émettre beaucoup d'objections. C'est une analyse simple, comme Georges peut aussi analyser de sa manière. Mais les officiels sont là, ils peuvent quand même dire autre chose. Prenons quand même la question des FDLR. Est-ce que la question des FDLR, c'est une question congolo-congolaise? C'est une question rwando-rwandaise. Est-ce qu'ils existent encore au Congo? J'ai vu un officiel des Nations Unies publier qu'il n'existe que 500 éléments. Est-ce qu'avec les 500 éléments, il faut que Kagame vienne toujours nous déranger? Il n'a pas vraiment d'armée pour réellement garder ses frontières et voir qui parmi les 500 éléments viendront lui déranger. Non, Kagame doit s'assumer. Je ne vois pas quel motif peut toujours déranger Kagame qu'en RDC, on lui garde des ennemis. Non, en RDC, on ne garde pas des ennemis pour Kagame. Par contre, la communauté internationale qui a fait entrer ces éléments FDLR en RDC, ils ont encore le devoir, y compris Kagame, de créer l'espace politique pour recevoir ces 500 éléments qui restent. D'ailleurs, cette publication était d'un officiel des Nations Unies, si pas la maman Bintou Keïta. Il disait qu'il n'existe que seulement quelques éléments, environ 500 hommes. Et moi, je ne peux pas voir une armée républicaine rwandaise qui peut avoir toujours peur de 500 éléments. Pourquoi ne pas créer un espace politique au Rwanda pour accueillir ces FDLR? Pourquoi ne pas créer des couloirs réellement sociopolitiques pour résoudre ces problèmes des FDLR? C'est autre que ça. Je pense que le gouvernement rwandais, le parlement rwandais et le président rwandais ont le devoir d'accueillir leurs frères FDLR. Le pays, le Rwanda n'appartient pas à une frange d'hommes rwandais. C'est pour tous les Rwandais. Ce n'est pas pour seulement une catégorie de Rwandais. Et les FDLR, et les Batutsi, et les Bahutu, et les Batwa, tous sont des Rwandais. Ils doivent partager les richesses et le bonheur du Rwandais. Chacun selon son revenu, selon, je dirais peut-être selon ses capacités de consommation. Mais dire que à cause de quelques éléments FDLR, on doit toujours venir déranger toute une nation comme la RDC. Non, ce n'est pas justifié. C'est injuste. Et pourquoi même le Rwanda, bon, je trouve le Rwanda, bon, surtout les autorités rwandaises, je les trouve toujours des hommes qui raisonnent moins. Nous avons vu dernièrement avec vous, nous avons la deuxième même sur cette télévision avec vous. Il y avait même des infiltrés, des espions rwandais, jusque même à Kinshasa. Est-ce que les infiltrés sont aussi à Kinshasa? Je ne pense pas. Merci Georges. On parle politique au niveau national. Oui. Selon le journal Le Figaro, qui est un journal français, son apparition ce jeudi, titre à la une, Félix Tshisekedi, largement favori de la prochaine présidentielle en 2000. Largement favori de la prochaine présidentielle en RDC, 23 décembre. Un titre qui est tellement critiqué sur les réseaux sociaux, je vous vois sourire comme si c'était vrai, genre. Et c'est juste. Si ça ne pouvait que venir de moi, j'allais dire la même chose. De la manière dont nous sommes en train de vivre la politique en RDC et à la veille des élections, je ne vois plus quelqu'un d'autre que Félix. Et Félix, il est incontournable. Il est l'homme qu'on ne peut jamais congresser actuellement. Ceux-là qui veulent faire l'opposition, ils peuvent déjà déposer leurs armes et peut-être venir brandir leurs armes à 2028. Mais à 2023, ils n'ont pas de place. Ils seront d'ailleurs honteux les jours de proclamation. Ils seront honteux. Il arrivera de quelqu'un
on risquerait même de voir quelqu'un avoir 1%. Il y a des gros poissons, ça va chauffer l'air. Moi, je ne vois pas qui va avoir un pourcentage congressiel avec celui de Tshisekedi. Je ne le vois pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mon frère. Non, donc, selon vous, personne ne va faire face à vous. En fait, et cela s'est même démontré le samedi passé lors du lancement de l'Union sacrée. Les grosses légumes politiques de la RDC, ils ont emboîté les pas, ils se sont ralliés à l'Union sacrée. Pour vous dire, entre autres, moi je vois par exemple M. Jean-Pierre Bemba. Bemba, c'est une grande tête dans ce pays. À l'Équateur. Politiquement, oui. L'Équateur. L'espace équateur a actuellement 5 provinces. Les cinq provinces. Bemba, qui donne? Je vois même Vital. On ne peut quand même ignorer la force de Vital. C'est son partenaire de tous les temps. Oui. Et croyez-moi qu'avec l'événement ça joue, il n'y avait pas une régression électorale. Ça va lui tâcher également. Mais des grands poissons comme les. Je vois Mboussa Nyamwisi. Il n'est pas aussi négligeable. Nyamwisi aussi a perdu son plan nord qui. Non. Arrivé à Boutembo, à Beni, on ne parle que de M. Antipas. Mais des grands poissons aujourd'hui de l'opposition. Oui, je vois par exemple les anciens kabilistes, comme Julien Paloukou, qui est venu ramasser tous les anciens kabilistes et les ramener chez Tshisekedi. Hein? Paloukou qui est l'ancien gouverneur. L'ancien gouverneur du Nord. L'ancien rebelle aussi, il faut bien. C'est oui, avec Mboussa, son parrain. Donc, on a l'impression que c'est aussi, l'ancien rebelle qui se je vois, aussi. Je l'ai toujours dit, il n'y a que l'imbécile qui ne change pas. Non, mais j'en pose la question. Oui, je le répète. J'ai l'impression que ce sont des anciens rebelles qui se sont ralliés devant. La réponse est là. Il n'y a que seulement les imbéciles qui ne peuvent pas changer d'un cas à un autre. Mais un homme normal, quand il trouve que ça ne va pas à la rébellion, il doit aller à la politique. Ce n'est que normal. Malgré qu'il a tué. En fait, l'infraction est individuelle. Et les rapports Mapping. D'ailleurs, les rapports Mapping. Ça serait un cas pour l'M23. D'ailleurs, les rapports Mapping. On comprend que ça serait l'M23. Non. Je vais même. Parmi les. De ces sondages parmi... qui semblent être toujours aux côtés du président Tshisekedi. Le président Félix est largement en avance en République démocratique du Congo selon les sondages réalisés auprès de 3119 Congolais du 6 au 24 février 2023. Il y a eu des détails, mais c'est pour un journal léger, c'est un journal également canadien qui a rendu public ce. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Ah. Un journal canadien qui publie des résultats qui favorisent de loin. Est-ce que Félix. C'est pas manipulé? Non, manipuler quoi? Comment les Congolais iront manipuler les gens au Canada? Non. Mais quand même, juste. Non. Si on peut même aller manipuler au Canada, c'est-à-dire on est fort. Ah. Oui. C'est l'argent du. Non. Est-ce qu'on peut aller même manipuler au Canada? J'ai vu hier Delice Saga qui voulait faire une conférence à Paris. On lui a directement empêché. Mais on l'a su. Il était l'invité du journal. Oui, au studio. Mais la conférence n'a pas été en mesure de le faire. Parce que même à Paris, l'électorat Félix est là. Ah. Dernièrement, on a fait l'enrôlement. Il y a des combattants là. Des grands combattants qui ont empêché même Elise Sanga, l'ancien rebelle du RCD, qui voulait aussi aller salir le nom du chef de l'État à Paris. On a dit non, tu ne dois pas tromper les gens. Tu as été avec les ennemis, avec Kabila, et aujourd'hui tu es toujours avec Katumbi. Voilà. Il n'y a pas de bilan. Si ce n'est que nous laissons les guerres des F23, les Codeco et autres, vous nous laissez les guerres et vous voulez maintenant venir dire que Tshisekedi, il est le plus mauvais que vous. Non, ça on ne peut pas accepter. Donc vous êtes tous mauvais. D'accord. Merci. On finit par ce drame de Kalehe. Il faut dire que le bilan, en tout cas, c'est à l'ordi. Le bilan passe de 412 à 438 morts. Ça, c'est le gouvernement qui a donné ce bilan à travers son porte-parole, Mouyaya. Le bilan de la catastrophe de Calais, dans le site qui vous s'alourdit, il passe de 412 à 418 morts avec les 26 corps retrouvés hier mercredi. Le bilan revu a été annoncé par les porte-parole du gouvernement, Mouyaya, lors de la conférence de presse
conjointement animé les mercredis à Kinshasa avec son collègue de l'aménagement du territoire. Où il y a appelé la société civile et l'ensemble de la population à un esprit de solidarité pour bien gérer les conséquences de ces drames. C'est triste, Georges. C'est triste, mon frère. C'est triste. 400 et plus. 438. Là, on compte que les corps retrouvés et les portées disparues. Ouais, il y a dans les dates des centaines aussi. C'est sous les régimes des pestes. Je ne vois pas la catastrophe naturelle être attribuée à un régime. Mais quand même, nous devons être sérieux. Il faut suivre ce qu'on a entraîné dans les sur le terrain. Parce que qui était parti également, la société civile a alerté. Il y a des géographes qui avaient également déjà alerté 3 mois avant la catastrophe par rapport à la mauvaise construction. Nous sommes, on sait que c'est une catastrophe. Parler. Mais il y avait moyen également d'éviter cela. Parce qu'on a parlé également des minéraux, une zone minière qu'on est en train de creuser dans les zones-là. Et du coup, on a désorienté les zones. On a évoqué également les problèmes liés à la déforestation. On a coupé les arbres. Et les gens ont alerté cela. Parce que vous savez, quand on coupe les arbres aussi, ça a des inconvénients. Effectivement, on a parlé également des pâturages. Parce qu'on a coupé les arbres là-bas, dans les zones où les zones sont venues. Et du coup, c'était devenu une pâturage où on mettait maintenant des vaches. Et c'est qui soit là. Les responsables, ce sont souvent des autorités, il faut l'avouer. En fait, il faut les voir et surtout interpeller aussi ces gens-là. Et à chaque fois, les citoyens ordinaires alertent, souvent, on voit nos députés qui sont là, les ministres des seigneurs, qui ne cherchent pas à écouter les gens. Je partage réellement votre allocution, votre manière. Moi, je relève ce qu'on m'a raconté. Effectivement, mais nous avons été toujours avec vous dans plusieurs débats. Jamais je n'ai appris un jour dire que les géographes de tel milieu ont évoqué tel problème. Ça, non. En tout cas, non. C'est aujourd'hui que les géographes veulent maintenant se faire attendre parce qu'il y a eu catastrophe. Mais, nous sommes à côté de Nyiragongo ici. Qui d'autre, quel géographe dans ce pays, quel expert géographe a déjà aussi révélé qu'il y a quelque chose ici? La récente éruption, oui, savait que l'autre jour aussi avait une part de responsabilité. Non, les volcans, moi je vais le dire, les volcans avaient fait éruption. Nous qui sommes des Goma, nous avons toujours eu des signaux. Même à part les volcanologues, même les volcanologues, nous avons toujours des signaux. Nous voyons toujours, par exemple, des cendres qui équiment la ville, même des insectes qui fuient même la montagne. Mais sur le point Calais, mon frère, il n'y a même pas à responsabiliser qui que ce soit. C'est une catastrophe naturelle. C'est quelque chose qui est arrivé sans le bon vouloir de qui que ce soit. C'est une pluie qui s'est abattue et maintenant qui a créé la pluie aussi dans le firmament? Non! Et qui a créé la pluie au Rwanda? Qui a créé aussi la pluie en Ouganda? Qui a créé les tsunamis en Asie des moussons? Ça, c'est des choses que nous devons. Nous ne devons pas toujours chercher toujours à culpabiliser les gens alors qu'il n'y en a même pas de culpabilité à prendre. Non. Ce qui est arrivé à Calais est arrivé. Nous ne devons que peut-être seulement faire la compassion avec la population de Calais et c'est ça la seule chose que nous devons nous faire. Mais dire qu'il y a eu de ceci ou cela, si réellement on a dit qu'il y a un pâturage, et là où il y a d'ailleurs le pâturage, il y a ce qu'on appelle les feuilles vertes. Comment là où il y a feuilles vertes et là on aura des érosions? Non. J'ai vu dans mon village, aujourd'hui, on m'a envoyé une vidéo dans mon village vers Masereka, Niabili. Il y a eu aussi des érosions et il y a eu 7 morts dans une église, aujourd'hui même. Et aussi à Niabili, chez moi là-bas, c'est-à-dire qu'il y a eu à responsabiliser quelqu'un? Non. Ça, c'est une catastrophe naturelle qui arrive et qui peut arriver à qui que ce soit. J'ai vu en Turquie
les séismes effondraient des maisons. Il faut dire que les ingénieurs n'ont pas bien construit. Non, 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 ça non. C'est une catastrophe naturelle qu'il faut laisser dans le cadre des catastrophes. Merci, mais pas culpabiliser les gens. On est d'accord avec les familles, les oui. Sinistrés également, des Canadiens, de aussi dans les Lodéros, on a pris, oui, oui. Suite là, on venait de suivre les communiqués des gouverneurs où on parle de 9 personnes, 10 personnes, pardon, dont 7 d'une même famille qui oui. sont mortes. Oui. Dans les Roubaix, on a parlé des morts, qui ont été au moins. Donc voilà, on y reviendra prochainement. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Justin. On se fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.